Bonjour tout le monde, ici Picapof, c'est pour un épisode de Super Metroid. Super Metroid? Metroid Prime. Sur Nintendo Switch. Là, on a la arachnosphère. Là, ça nous a amené au pied de la lave. Donc, j'ai aucune idée où aller. Donc, je vais continuer tout de suite. Aïe aïe. Pas une ennemie plus blessante que les autres. Hein. J'aimerais voir où est-ce qu'on est. Une zone, une nouvelle zone. Ce canal est verrouillé. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Obstré à lava, ce mollusque sensible à toute présence et protégé d'une carapace impénétrable. Cette créature s'ouvre lorsqu'elle sent la présence d'un intrus, cherchant à l'intimider par sa taille. Si vous lui tirez dessus alors qu'elle est verte, elle se retourne en fait de se protéger. Quand elle se referme, elle libère des globules d'énergie toxique. Ça, j'ai l'impression que ça mène à ça. Je vais aller au bord là. Bouffe toute énergie, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ça? I'm gonna die. Je ne sais pas pourquoi j'étais là. J'ai aucune crise d'idée. Pourquoi j'ai été dans ça?
même principe pour ça que j'ai dit maintenant. Moi. C'est tout. Ok, oublie le projet. Je sais pas pourquoi j'ai été là. J'ai fait quelque chose. Rocky, t'es donc bien cute. T'es donc bien cute. Pourquoi? Pourquoi je vais aller là? C'est une raison pourquoi je vais aller là. Bon, il y a peut-être limité à mon boulot de ça, oui. Je dirais qu'il me donnerait le grappin. Ce serait mieux. Mais pourquoi il m'a emmené là? Et on a le truc pour s'accrocher. Donc on peut aller dans des zones qu'on ne peut pas aller avant.
où exactement? Je m'en rappelle plus. Bon, on va essayer de trouver. Continue par là. Anomalie climatique détectée. D'accord. Faut que c'est les ruines que je m'en allais éliminer. Let's go! Je pourrais aller là, bon. Il me semble que je pouvais pas aller là avant. Pour ça, je pourrais remonter là, aller chercher le totem. Peut-être pas, peut-être que je pourrais pas. Mais en tout cas, on va voir. Thank you.
You? Bébé chat, oh bébé chat, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si je suis à la bonne affaire, je sais pas si je suis à la bonne place. Où suis-je? Tour de la lumière. Il n'y en a pas une qui est dans une tour, justement. Ça doit être ça, ici. Okay. Faut que j'aille quelque chose de gravité ou là, c'est pas trop. J'ai quelque chose à faire avec ça. Là. Globe flotteur, cuirassé. Il s'agit d'un globe flotteur mutant à l'épiderme renforcé. Les globes flotteurs de talon 4 ont connu une mutation génétique sous l'effet de l'exposition de phasons. Cette évolution a réduit un renforcement très important, induit un renforcement très important à leur épiderme. Toutefois, les armes lourdes conservent l'efficacité à l'instar de celui qu'il a, de leur cousin. Le corps qu'il renferme peut être fatal. Thank you.
qu'est-ce qui m'a attaqué de même? Qu'est-ce que je fais, mais ça a l'air intéressant. Charge que j'avais pas, hein? C'est ça. OK. C'est bon à savoir.
Faire un détour par là, je pense. Défectueux, quelque chose comme ça. Je suis capable d'aller là. Et de deux. Peut-être qu'il les a fait invisible. Rocky, t'as tombé, t'es capable de remonter.
force. Là. Menacé. Aberration fantôme Chozo. Cette entité spectrale se compose essentiellement d'un champ bioélectrique. Étant donné que ces entités disparaissent et réapparaissent sans cesse, l'utilisation du viseur radioscopique est le seul moyen de les dissiper. Leur capacité à changer de dimension les rend invulnérables aux énergies naturelles telles que le feu, le froid et les ondes électriques. Leur comportement agressif et excentrique est probablement dû aux phasons. Ils sont partiellement liés au site sacré du peuple Chozo. Assouvissent leur territoire vengeance sur quiconque pour se rentrer dans ces zones. Hey, c'est un des objets qu'on a besoin. Je pouvais pas aller là, right? Dernière fois.
statue. Ça peut être ça. Tout à hauteur une statue, mais je m'en rappelle plus. Non, je pense que c'est dans l'autre salle. Que ça soit ici, t'as quelque part dans l'eau.
aucune idée. Une statue gigantesque dans un hall. Et une chose, les envahisseurs ont pris possession de Fandrana, une tour surplombe leur forteresse, non? Ok. L'artefact du créateur, ouais, ça je sais, il est où? Chozo. Quelque part tout au long, il existe un bosquet. Révéler le pilier disséminé sous les vagues pour obtenir l'artefact des Chozo. Sous les vagues. Dans les ruines de notre civilisation, mort de nos anciens, dans un hall immense, une chambre située sous la statue enferme l'artefact du monde. Je sais pas comment il y a de hall en tout, là. Un hall immense. En place, vestige, tour de lumière. Ruche, chambre forte, accès à la grande place, peut-être site. Je penserais pas. Hall de rassemblement. Il y a une statue quelque part. En dessous de la statue. L'autre zone, ce serait en dessous d'un bosquet, mais j'ai l'impression que ça se peut que ce soit ici. Je vous occupe pas ça. Guéri de Samuel présente des faiblesses. Comment tu veux que je monte là? J'étais pas fou, l'entendais? J'entendais un missile, mais je sais pas été où.
j'ignore où est-ce que je m'en vais de même. Je sais pas si ça a une importance quelconque. Ok, il va falloir que je me dépêche. Ça devrait me dire. Parasite cuirassé. Cette créature robuste appartient à la famille des parasites. Membre de la famille des parasites, ces créatures sont invulnérables à la part des armes et sont récupérées pour leur incroyable résistance. Toutefois, leurs études pratiques ont révélé que les parasites cuirassés sont particulièrement vulnérables aux armes associées à la morphosphère. Quel est ce fléau étrange qui infecte notre terre, pourchasse la moindre parcelle de vie dans sa soif de destruction? D'où venait la météorite responsable de cette catastrophe? A-t-elle été fabriquée par des mains étrangères ou s'agissait-elle d'une reste d'une planète qui aurait connu une fin violente? Nous tremblons à l'idée que quelque part dans une parcelle de l'univers que nous ne connaissons pas, il existait jadis une planète où le grand poison coulait à flot, un endroit maudit, vraisemblablement détruit par une cataclysme d'une extrême violence. Peut-être existe-t-il d'autres météorites de cette nature qui vont propager ce mal dans l'immensité de la galaxie, pourvu que tous les restes de ce mal n'échouent ici sur Talon 4. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garder espoir. De voir où est-ce que. Qu'est-ce que je dois faire? L'élu, si vous lisez ces mots, nos prières auront un sens, votre chemin est semé d'embûches, de monstres ignobles et affamés, se terrant dans les ténèbres, prêts à se jeter sur toute forme de vie pour apaiser cette douleur, insidieuse enfouie au plus profond d'eux-mêmes. Certains d'entre eux sont très rusés, mais aveuglés par leur intention diabolique, ayant foi dans le pouvoir maléfique du grand poison pour parvenir à leur fin, ils cherchent à se l'approprier à tout prix. Ces créatures sont les plus dangereuses et seul l'élu pourra les exterminer. Notre temple, le berceau isolé, isole cette abomination du monde extérieur. Toutefois, nul ne sait si cet édifice serait assez résistant pour contenir ce mal à jamais. Nous espérons que le pouvoir de monogramme formé par l'union des 12 artefacts sera suffisamment important. Le destin de ce monde est à présent entre les mains de l'élu qui rassemblera les artefacts. Son arrivée approche à grands pas. Certains Chozo ont acquis le don de voyance, tandis que notre relation avec l'univers est de plus en plus harmonieuse. Nous constatons que notre peuple compte désormais de nombreux prophètes. Nous entrevoyons l'avenir dans les ondulations de l'eau et nous attendons l'arrivée des jours prochains dans le souffle du vent bien. Que ce don de voyance soit fort estimable, la plupart de nos visions sont lugubres. La prophétie la plus effrayante et la plus récurrente annonce la venue du ver. Né de parasites élevés dans un cocon empoisonné. Le ver se développe dévorant notre monde de l'intérieur jusqu'à ce que sa destruction. Évidemment, toutes les prophéties ne se réalisent pas forcément, mais ce mauvais présage nous angoisse profondément.
un dispositif. Que ça mène tout ça là. Tu veux que j'aille là-bas? Ah, je sais, il faut que j'aille. Question, c'est comment je fais pour aller là-bas? Oh, attends, je pense que j'ai trouvé. Mais comme un cave, je suis stupide. Mon chat est vraiment pas content. Il miaule là, comme un vrai perdu. Est-ce qu'il veut rentrer dans la chambre? Mais pas la mienne. Et à quoi ça sert de faire ça? Très bon. Tout ça pour ça, vraiment. Voilà, on n'a jamais assez de missiles. Ce que je veux, c'est un save. Toutes les créations de cette terre sont faibles et éphémères. Comme elles existent dans une seule dimension, elles sont fragiles, vulnérables et périssables. Toutefois, certaines créatures échappent à cette loi. Immatérielles, elles attendent au-delà du monde, sensorielles, émergeant uniquement lorsqu'on remarque leur présence. Telle est la volonté des Chozo. Plus que tout, nous souhaitons éradiquer ce mal et voir la fin des ténèbres. Notre volonté ne résonne cependant pas par elle-même. Ce sera là l'épreuve de l'élu. Thank you.
que je fasse quoi avec ça? Ok, mais y a-t-il quelque chose d'autre à faire ici? En dessous de la... On dirait en dessous de la statue. On dirait qu'on peut l'avancer la statue. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça plus tard. Pour l'instant, je peux rien faire. Tout ce que je veux, c'est trouver une... pour un save, ça? Attends une seconde. Recharge? Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas... Moi, j'étais venu par là, right? Qu'est-ce qu'il y a ici? Merci. On sauvegarde. On va sauvegarder. Ah non, c'est un recharge. Tout ce que je veux, c'est un sauvegarde. C'est bien loin le sauvegarde le plus proche. Que ça sauvegarde automatiquement, c'est ça, je me demande. Anyway, on va arrêter ça ici. Là. Je vous dis merci d'avoir été tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.